Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. La famille, on va se lancer la petite panic room ce soir. On a une histoire un petit peu exceptionnelle. Ce soir, on va rigoler. Il est 21h11, on est dans les temps. Bebe reste avec nous tout de suite. Jingle panic room. Ouais, la panique room. Ça panique. Très bonne vanne de Bebe qui l'a sortie. Tu sais, c'est comme quand t'es en boîte, tu parles fort et la musique s'arrête au moment où on dit non, pas de gueule, je vais te niquer. C'est exactement pareil. Je vous le disais il y a un instant, ce soir, une panique room assez exceptionnelle. C'est Camille, 18 ans, qui nous a écrit cette semaine et que nous allons tenter de venger ce soir. Est-ce que Camille est là? Allô, Camille? Allô. Eh ben ça marche déjà, oh on applaudit. Bravo, on applaudit. Déjà, hein, le mec de la radio est pas peu fier. Regarde les fans des check-ins. C'est du jamais vu. Le mec passe un coup de fil, c'est bon. Eh les gars, on va bouffer, hein, c'est bon. Oui. Et on fait du bruit à Martin Daboville qui est tout le temps là et qui se tue. Bravo. À Davy, évidemment. Bravo, et derrière, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, mais on les embrasse, elles sont chaleureuses, en particulier la personne au milieu. Écarte-toi, Alexis, tu gâches la vue. Alors, ma Camille, comment ça va, ma chérie? Ça va et vous? Ça va super, on est avec Benoît qui est là, si tu veux faire un bisou. Salut, Benoît. Salut Camille, ça va? Salut, ça va? Voilà. Merci, voilà. C'est chaleureux aussi, hein, voilà. Apparemment, elle n'a pas voté d'eux, justement. Camille, ma chérie, ce soir, il me semble que tu veux te venger, entre guillemets, évidemment, de ton papa. Raconte-nous tout ça. Bah, en fait, pour tout vous dire, ça fait 7 mois que je suis en couple avec un garçon qui s'appelle Jonathan. Ouais. Ça se passe super bien, mais mon père, il a un peu de mal à accepter cette relation. Il me considère comme sa petite fille, faut pas me toucher. Et, en fait, c'est pas qu'il accepte pas Jonathan, mais c'est qu'en gros, il accepte pas que je sois en couple. Ah, d'accord. C'est chiant un peu au quotidien, quoi. Ouais, je comprends ce que tu peux ressentir. En même temps, je pense que ton papa veut juste protéger sa fille. Il y a rien. Ouais, de... normal. C'est son mignon. Petit bébé. Ouais, mais. Ouais. Ouais, ça part loin quand même. Enfin, à chaque fois, il me met des bâtons dans les roues. Je suis au lycée encore, je suis en terminale. Elle a envie. Ouais, Benoît est en train de dire que t'as envie que ton corps exulte. C'est normal aussi. C'est normal, Camille. Bon, écoute, tu sais, moi, ma mère, jusqu'à ce que je parte de chez elle aussi, elle était un petit peu maman poule. Alors bon, on a pensé à un truc, ma Camille, que je vais te dire dans un instant. On a eu le temps de penser à un petit stratagème à VL. On a mis des équipes sur le coup. Martin Daboville a bossé tout hier. Tout hier, il était à balle sur le truc. Camille. Enfin, c'était une autre Camille. C'est pour ça que ça marche aujourd'hui. Que ça marche très bien. Les mecs ont tiré des lignes dans la nuit. Franchement, c'est une clé. En fait, là, on prend la Wi-Fi du bar d'à côté. On peut pas le dire parce que le code pour tout le monde, s'ils sont à côté du bar, c'est la fouine 23. Allez. En minuscule. Juste avant, la famille, est-ce que ça vous est arrivé, vous, autour de la table, une maman poule, un papa poule, Bishop? Moi, c'était l'inverse. Moi, il était derrière la porte et il m'encourageait. Bishop, vas-y. Mon Dieu. Quelle horreur. Alors, moi, j'ai une fille de 16 ans. Vas-y, mon fils, fais-moi honneur. Julien, une fille de 16 ans. Qui m'a présenté son copain pour la première fois il y a un mois et demi. D'accord. Un petit portugais moustachu. Mais non. Oui, mais toi, t'es ouvert sur tout, toi. Oui, mais tu vois, il faut voir les bons côtés. Julien, il a pas de console de jeu, il peut pas s'acheter Mario, il l'a à la maison. En même temps, excuse-moi, tu vas charrier sur les moustaches, Julien, sérieusement? Non, mais moi, c'est des moustaches de professionnels. Oui. Elles sont bien faites. Elles ont plusieurs modes. Donc, on embrasse Eva, sa fille. Est-ce que vous. Donc, toi, tu la lâches. Toi, ta fille, elle est quand même assez libre, hein, mon beau boy. Oui, je fais attention à s'en protéger. Non, attends. Ce que je veux dire, elle a 16 ans, donc pas de rigolade. Quand je dis elle est assez libre, c'est que tu la laisses sortir. Il y a sa maman aussi, ça va. C'est ça, tout. Elle n'est pas trop bloquée. Sarah, toi, comment c'était? Moi, mes parents, mon père, il dort pas avant que je sois rentrée le soir. En mettant des leggings Nutella, exactement. C'est normal. Hein. La semaine dernière, elle avait un legging avec écrit Nutella partout. C'est vrai que il manquait qu'un petit croissant pour étaler le truc, quoi. Alexandre. Moi, je suis papa aussi. Je suis papa d'une petite fille. À trois mois, elle m'a présenté personne. Elle a du retard. Là, déjà, ça sent pas bon. Bon, Camille, tu l'entends, t'es pas toute seule. Hein. Flora nous a pas dit. Flora, moi, toi. C'était comme Sarah.
Mes parents dorment pas tant que je rentre pas, pas le droit d'inviter les gens chez moi. Pareil. De la jante masculine. Donc il y a vraiment plusieurs. Rachel aime pas tes parents déjà. Moi, toi, ça, mais moi, ça. Ah bah, toi, son père lui a offert une jupe à 4 ans. Moi, c'était avec mon père d'ailleurs, donc du coup, ça allait, ça allait bien. Ah, mais ça, on pouvait s'y attendre. En régie, depuis tout à l'heure, ils sont comme ça. Il va pas le gourer. Et il l'a dit, merci Benoît Dubois. Quand je dirais Benoît Dubois, tu me balances un bête, ce que tu veux. Non, non, pas maintenant, hein, parce que le prochain, c'est une musique de 3 minutes, on va se faire chier. Donc, Camille, rassure-toi, je te le disais, on a pensé à tout. J'ai mis ma grand-mère sur le coup. Je peux te dire, ça va le faire. Donc, le stratagème qu'on te propose ce soir est le suivant, on va appeler ton père. Comment il s'appelle ton père ? Il s'appelle Christophe. Christophe, d'accord. Christophe. Alors, on ne va pas l'appeler Cricri, hein, Flora, parce qu'avec ce qu'on va lui annoncer, vaut mieux éviter tous les Cricri, les Totof et les ma gueule, ma couille, tout ça, ça ne va pas passer. Alors, c'est Sam, Camille, tu vas appeler donc ton papa Christophe et lui expliquer que tu viens à peine de quitter Jonathan. Donc là, il va être content, du coup, il va pouvoir retrouver sa fille. Sauf que sauf que tu quittes pas Jonathan pour personne, tu quittes Jonathan pour Patrice, jeune Martiniquais en vacances à Paris. Bonsoir, bonsoir. C'est avec moi que tu vas faire équipe. Oh là 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 là. Et qui rentre en Écoute. Patrice. Franchement, avec la Patrice de Bordeaux-France, bordel. Donc attention, c'est très important, ma Camille, puisqu'il est donc en vacances à Paris, Patrice. Et il rentre en Martinique dans 10 jours, et toi, tu comprends, t'expliques à ton père, écoute, papa, je suis très amoureuse, j'ai envie de changer de vie, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre du 94, j'en ai marre de Brie-sur-Marne, j'en ai marre de Nogent-sur-Marne, j'en ai marre d'Anne Hidalgo, je pars vivre en Martinique avec Patrice. Est-ce que... Il a pété un peu. Ah ben, tu vois, elle est pas bien. Écoute, de toute manière, on est juste derrière. Il faut que tu nous dises oui parce qu'on n'a pas d'autre truc. On n'a pas de plan B. Non, mais pas de soucis, ça marche. Tu le fais. Donc, écoute, c'est très simple. On va bien faire criser ton père. Compte sur nous. T'expliques tout ça à ton père et tu vas voir. À un moment donné, Bishop va commencer à râler derrière le micro en faisant Patrice. Voilà, genre, qu'est-ce qu'il a ton père ? Tu vois, un peu loin comme ça. Oui, des mouvements de dos. Mais je le ferai bien. Tu le feras très bien. Et moi, je prie juste les dieux, Camille, si santé, qu'ils nous entendent dans cette cave. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une connexion directement avec l'Olympe là, mais j'ai une culture grecque. Mais j'ai regardé les Energy Music Awards, ça suffit. Hein. C'est la classe absolue ce soir. Camille, c'est très simple, ça part en live, mais c'est coupe le son. C'est coupe le son, on a envie, 21h18. J'adore lire l'heure comme ça fait RTL, 21h18. Donc, on compte sur toi. Patrice viendra derrière et je disais, je prie juste les dieux pour que ton père veuille prendre Patrice au téléphone pour qu'il y ait l'explication tant attendue. Est-ce que ça te va, Camille ? Parfait, c'est parti. Hein, étant donné que c'est plus ou moins prévu, c'est pas mal ta réponse. Alors, les amis, on va y aller. On va appeler donc ton papa Christophe. On va l'appeler, on me fait signe en régie que la régie compose le numéro, un petit peu comme avec Julien Courbet, effectivement. Camille, on compte évidemment sur toi. Et toi, mon Bishop, on compte sur toi et sur Patrice pour bondir sur la proie. Attention, on y va, Camille. C'est toi qui appelles, donc c'est lui qui dit allô. Et tu lui réponds, on y va. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, et pourquoi tu m'appelles en numéro masqué ? Bah oui, je suis avec ton oncle. Attends, bouge pas. Taco, prends-moi un verre de banc. Ah, j'arrive. Pourquoi tu m'appelles en numéro masqué ? Bah ça va, je t'appelle, je sais pas, je fais attention. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ? Bah ça va toi, tu fais quoi là ? Bah je suis avec ton oncle, on était au resto là. Et tu rentres quand ? Bah, je rentre un peu quand je veux, n'importe quoi. Hey, c'est toi la gamine dans l'histoire. Ton père, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? T'es à la maison, là ? Non, je suis pas à la maison. Je suis un pote, là. D'ailleurs, je voulais te parler de quelque chose. De quelque chose ? N'importe quoi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Je voulais te dire, vu qu'on n'a pas trop l'occasion de parler de ça et que ça t'intéresse pas trop, je suis plus avec Sébastien. Alléluia ! Ah, putain, tu fais plus. Je vais boire un coup à ta santé. Ouais, évidemment, super. Non, tu sais que j'ai été sévère et tout ça, mais regarde, t'as pas eu encore ton bac. L'amour, il y en aura plusieurs, des gars, il y en aura plusieurs, c'était pas la peine. Non, mais ce discours, c'est bon, à répétition, c'est bon, j'en ai marre, genre. Putain, écoute, je l'ai quitté pour quelqu'un. Tu l'as quitté pour quelqu'un ? Voilà, je l'ai quitté pour quelqu'un qui s'appelle Patrice. Mais attends. Tu viens de te séparer du gars que je supportais pas, et pour te remettre à quelqu'un d'autre, tu peux pas faire un break, attendre un peu, te poser des questions, te remettre dans tes études ? Non, d'ailleurs, je voulais dire quelque chose, mais j'espère que tu vas pas le prendre trop mal. Attends.
Ah, okay, vas-y, vas-y, je t'écoute. Ça commence à me prendre la tête déjà. Tu dis n'importe quoi. Hein. Vas-y, et je t'écoute. J'espère que je mets la pression comme d'hab. Je voulais te dire que là, il est en vacances sur Paris, il reste 10 jours. Mais il est martiniquais, il est en Martinique et il m'a proposé de partir avec lui. Et moi, sans hésiter, je fonce. Attends, donc tu vas partir à Paris avec lui, c'est ça? Non, en Martinique. De quoi? Attends. Là, tu... non, mais n'importe quoi, j'ai la fille la plus stupide du monde. C'est quoi ce délire là? En Martinique, qui tu vas aller foutre en Martinique? C'est qui ce gars? C'est Patrice? C'est, je le connais, c'est qui? Où tu l'as rencontré? C'est qui? Ah, tu vas pas me refaire le même coup encore une fois, non? Putain, on en avait discuté, je t'ai dit, tu n'as que 18 ans. Moi, j'ai eu 18 ans, on sait ce que veulent les mecs, d'accord? Ils ont une bite à la place du cerveau. Qu'est-ce que tu vas aller faire avec les mecs, Martine? Qu'est-ce que tu vas foutre? Qu'est-ce que tu vas partir dans les villes avec un danseur de zouk, là? Tu me fais quoi, là? Mais pas l'amoureuse de lui, tu te rends compte que j'ai quitté Seb pour lui? Tu te rends pas compte? Non, mais attends. On a rien à foutre. Tu m'as tenu le même discours avec l'autre tocard, et en l'espace de 2 jours, ça y est, t'es amoureuse. C'est quoi ce délire, là? C'est qui ce gars, là? Passe-moi. Allô. 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 C'est qui? Allô. 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 Oui, bonsoir. C'est Patrice. C'est qui toi? C'est Patrice à l'appareil. Oh putain, la con de toi. T'es qui toi? C'est ta femme à fille. C'est quoi ce truc de marabout là? Tu l'as fait là? Mais on se calme. Alors déjà, marabout, c'est pas chez toi. Calme-toi. C'est ma fille. Qu'est-ce que tu vas l'emmener en Martinique? T'es pas malade toi? On a passé une soirée ensemble, tout s'est bien passé. Depuis, on se côtoie, vraiment. Et en plus, oui, donne-moi les détails, t'as raison. Putain, mon jeu de merde. T'es où? Je vais en prendre un pour frapper sur l'autre. C'est quoi ce délire là? Ah bon courage, je suis quand même costaud. Vas-y. Commence pas à me chercher. T'es tombé sur le mauvais gars. Mais non, attendez, calmez-vous. Dimanche, on va faire le brunch. On va faire le brunch ensemble. On va faire connaissance. Et après, comme ça, on prévoira pour les billets d'avion. Mais qui est brunch? N'importe quoi, tu t'es pris pour qui? C'est la pâte à Paris, non, le brunch? Nous, c'est les barbecues toute l'année. Écoute-moi, mon gars, je te connais pas. D'accord, tu vas laisser ma fille tranquille, point à la ligne. Non mais on est amoureux, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Oui, bien sûr. Non mais vrai, c'est l'amour, vous ne pouvez rien faire contre l'amour. Oui, c'est l'amour, c'est le zouk, oui, t'as raison. Je sais pas ce que ta femme a dit, mais si je te De toute façon, les billets sont pris. Non mais les billets sont pris, ça sert à rien de s'énerver. Hein. Les billets sont pris, là, on va dans l'avion. On va dans l'avion dans 10 jours, on part, mais vous pourrez venir à Noël, hein. Non, mais il n'y a pas de France. Ah non, mais pas du problème. Nous, au contraire, ça nous fera plaisir de vous présenter la famille. Fou, n'importe quoi. Écoute-moi, ma fille, je vais l'enfermer à double tour et elle ne sortira bon courage, pas, elle ne va pas prendre l'avion. Mais non, elle est avec moi, là, pour l'instant. Si je veux, je la garde. Et je la garde avec moi. La oui, famille, sûr, c'était sûr, une blague. Yeah. Allô, Christophe. Il est où le gars là? Christophe, calme-toi. C'était une blague, mon Christophe. Tu es en direct sur VL. Tu dois pas connaître, mais arrête de direct sur VL. Il est où ce Patrice? Allô, ma fille. Détends-toi, Christophe. Frérot, attendez, je lui explique parce qu'il est vraiment énervé. Christophe, c'est Martial qui te parle. T'as non, pas de référence du coup. Putain, mais elle en a combien? C'est pas ce délire là. Non. Christophe, on est dans une émission de radio. Ta fille t'a juste fait une blague, mon Christophe, et on t'applaudit. Mais oui, bravo, ouais. Christophe. Ah, ça y est. Christophe, pose-toi. Pose-toi à la terrasse. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.